Tire la chasse, perd sa place. C'est rigolo, toi, t'es le fils à Long Manov, toi, quoi. Tu vas demander le grand pardon de ton frère Maurice, sinon je te donne calbot, je t'arrache la tête. Dépêche-toi. Je demande pardon à mon frère Maurice. Je demande pardon à mon frère Maurice. Manu Katché, toi là-haut. C'est pas fini les Big G's. S'il y en a qui les veulent, à la fin ils les prennent. Bonsoir les amis, c'est Maurice. Et quand on est poli, on répond aïe aïe. Je refais. Bonsoir les amis, c'est Maurice. C'est bien, mais c'est trop tard. Tiens, prends la graine, toi. Tiens, bon, prends la graine. Prends la graine. Alors attention. Aujourd'hui, Maurice, il a eu peur. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a eu de... C'est quoi cet accent de parisien que tu m'as pris? Je sais pas. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a eu de... Il est belge. Il est belge. Ça a dérapé. Aujourd'hui, Maurice, il a eu peur. At first, I was afraid, I was petrified. Je traînais tranquillement à la maison en chanclette. Les chanclettes. Vous connaîtrez les chanclettes? C'est un mot pied noir. Il y en a des pieds noirs ce soir? Eh oui, il y en a partout des pieds noirs. Les chanclettes, c'est un mot pied noir. C'est les chaussures pour aller à la plage. Tu mets le pied derrière, ils sont devant. Les claquettes, les tatanes, les chanclettes. Je traînais tranquillement à la maison en chanclette. D'un coup. Pardon. Et fais-moi penser à te virer de là. Qu'est-ce que tu fais? Tu lis un bouquin? Téléphone à ta mère. D'un coup, je sais pas qu'est-ce qui me prend, qu'est-ce qui m'arrive. J'adore Henri Commassia, j'ai tous ses livres. Je regarde la montre que Yolande a m'acheté avec les sous qu'elle a économisé les commissions à Lidl. Brave Yo-Yo, que j'ai bien fait de l'épouser celle en 62 sur le bateau. Qu'est-ce que je vois? Je vois une bouna ici. 18h, 6h en ancien franc. Et alors? Il y a toujours un con qui dit aux autres. Allez-y. Et alors, vite, je suis allé à l'oculiste. Je suis allé chercher des lunettes. Parce que moi, j'avais besoin des lunettes. Alors, j'ai trouvé des lunettes, mais très important. Très important, des lunettes. Des chères. Parce que moi, c'est comme ça, c'est ma tradition. J'achète, mais avec un rabais. Toujours. Rabbin ? Hein ? Rabbin ? Non, pas avec un rabbin, avec un rabais. Voilà. Alors, j'ai allé voir l'oculiste. J'ai dit, vous me ferez bien un petit quelque chose. Que j'ai dit, alors, il me dit, non, pendant deux heures, j'ai négocié. Il me dit, non, je peux pas, c'est déjà soldé, le patin, le couffin. Il m'a dit, je voulais faire moitié prix, mais après, il m'a parlé en Tunisie. Elle m'a dit dégage en fait. Voilà. T'as vu comment je l'ai niqué lui. Alors attention, pour fêter la lunette, Maurice a une surprise pour vous. Une augmentation. Putain, vous êtes con quoi. Non, si tu veux une augmentation, tu peux la demander devant le mur de l'augmentation. Et tu sois poli avec le mur. Maurice, il a une vraie surprise. Maurice vous a préparé un couscous. S'il vous plaît, le couscous. Tout le monde, il aime le couscous, c'est vrai. C'est pas moi qui le dis, c'est la chanson. Everybody loves the couscous. Vous connaissez les couscous brothers? Les couscous brothers avec la kippa et les lunettes noires, c'est nous. C'est nous. Ah, oui. C'est nous. Bien sûr. Allez, passe par touche. La chasse de couscous. Dépêche-toi, passe par touche. Moi, le kidnappé. Moi, Béquille. Moi, ça, il est vilain, mais il est vilain. Il y en a, ils sont pas beaux, lui, il est vilain. C'est pas pareil, hein, c'est catégorie supérieure, lui. Toi, si tu veux te faire refaire le visage, tu vas voir un chirurgien esthétique, ça sert à rien, tu vas avoir un point P directement. Tu vois? Tu vas avoir un Bonifé ou à Pisano. Pisano. Tu feras un prix de ma part, Pisano. Moi, ça, que tu es vilain, allez. Il s'est fait virer le fourboyard. Eh oui, il ne sait même pas, à la rentrée, il est plus au fourboyard, ils ont pris l'autre nain, là. Sarkozy. Alors, il s'est fait virer, il ne sait même pas. C'est fini les clés, hein. Tu n'auras plus jamais des clés sur toi. Non, il n'y a pas des clés. Elle ne dit pas clés. Ah, mais il n'y a pas des clés. Il est con, déguerré. Va chercher des clés, sors. Sors, va chercher des clés, espèce de con. Il est con. Regardez ça comme c'est beau. Couscous, qui veut le goûter? Mais bon, hein. Tu veux pas goûter? Il faut pas en faire, hein. Ah non, oui, parce que les gens, avant, crachaient avant. Mais ça, c'était avant. Non, on crache plus, hein. Bon, qui veut le goûter, couscous? Voilà. Bon, allez, on va voter. Bon, qui pour le goûter? Qui pour? Qui pour? Qui pour?
Kippour. Il y a des Kippour. Allez, dépêchez-vous, on va pas passer 6 jours, hein. Ah. Si vous n'êtes pas allé à l'école, faut pas la comprendre, celle-là. Hein. Bon, allez, éclairagiste, allume la lumière des gens, je vais faire le tour des gens. Voilà. Attention, parce que je... mais tu fais mal aux cheveux, tu me fais mal aux cheveux, espèce de con. Aïe, bien sûr, tu me tires les cheveux. Il est con, hein. Ça va, madame, ça se passe bien, impeccable? Impeccable. Impeccable, me dis, c'est un problème, hein. Tu vois pas qui siffle le micro, toi, imbécile? Au plus, je te paye, mais il siffle le micro. Il m'énerve, lui. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux goûter le couscous, ma chérie? Non. Vous êtes tous les trois célibataires? C'est vrai, non? Vous êtes pas célibataire? T'es célibataire, toi? Non. Soit t'es célibataire? Leurs mecs sont à l'arsenal. Ah, leurs mecs sont à l'arsenal? Ben, ça va, ils sont tranquilles. Ah, ils sont partis. Bon, alors on va les laisser tranquilles, alors. On respecte, on se moque, mais on respecte. Voilà. Ça va, madame, ça se passe bien? Je dis, ça se passe bien. Attends, mon cher, hein. Il a fait chaud au mois de juillet, hein? Assez apparemment, mais bon. On espère qu'on aura un bon mois d'août. Bon. C'est pas la peine de fermer les yeux, je te vois. Ça, c'est les filles, ça. Se dit, je le vois pas, il me voit pas. Je te vois quand même, hein? Une jolie blonde, hein? Ça va. Regarde-moi ça, les gosses. C'est quoi ces gosses, là? Oh, t'as fini avec ton truc, toi? Je les aime pas, les gosses. Je leur fais pas de mal, mais si je peux les faire pleurer, je les fais pleurer. Hein. Dans quelle classe, ma chérie? CE1, c'est la plus dure, tu vas redoubler. T'arrêtes là ou tu continues? Parce que si t'arrêtes là, je te fais rentrer à la mairie de Saint-Marie. Mais la culture, hein, pas plus, hein, ça n'arrive pas plus, la culture. Hein. Ah, il est gosse, il n'aime pas les gosses, il n'aime pas. Tu peux pas aller te laver les cheveux, toi? Va te laver les cheveux, va. Il y a encore des gosses, là. Ça va, ma chérie? T'es en vacances? Profite, il reste que 15 jours, après c'est terminé. Hein. Arrête avec le téléphone, toi, tu nous énerves. Qu'est-ce que jouer? C'est toi qui les fabrique, c'est lui qui joue, c'est ça? Quand tu rigoles, toi, tu te moques, lui. Mais t'es pas mort, il est en rien. Voilà, c'est du sud-coréen, si je comprends. Hein. Ça va, la moustache? T'as mis un miracle, toi, avant, quoi, non? Alors, qui on a d'autre, hein? Alors, pousse-toi avec ta caméra, toi, Spielberg. Ça va, Serge? Mon cousin Serge. Tu veux le goûter, ça, tu peux le goûter? C'est bon, hein? Ah, le goûter. Il est super bon, Serge. Franchement, là, t'as vérifié, tu vas te rigoler. Franchement, on l'a fait la semaine dernière, il est resté dans le camion, il a pas fait chaud, hein. Ça va, Bruno? Il est pas peur, il est pas peur, il a peur. Regardez, attends, je vais voir là. Oh, regardez sous les escaliers, je l'ai pas vu, il y a des pauvres. Ils ont pas les sous pour s'asseoir. Il y a des pauvres, je les vois. Pousse-moi, Chim, pousse-moi, Chim. Chim, pousse-moi, Chim. Champion, ça va, ma chérie? Ils sont pas là, les hommes, ils sont là. Il y a un qui est là. Quand il travaille, il a bien raison. Il faut le travailler. Regardez, il y a des pauvres. J'avais jamais vu de près des pauvres. C'est eux qui vont à Lidl. C'est eux qui vont à Lidl. On les voit sur le port, ils sucent les glaces. À Saint-Tropez, ils sont devant le bateau. C'est tout, j'avais jamais vu. Tiens, si, complaisante, c'est bien. Ça va, messieurs, dames? Vous êtes au RSA, vous? C'est bien, vous habitez dans quel HLM, vous, madame? Juste à côté? Ça va, t'as voté Mélenchon, toi, ça? C'est que les pauvres. Oh, t'as pas de chéri? Je t'en trouve un, moi, de chéri, si tu veux. Ah, il est en merde aussi, putain, ils sont tous pas prêts. J'ai des copines là-bas, elles sont partout aussi, les maris. Voilà. Ça va ou quoi? Impeccable. Ça roule. Ça roule. Oui. Tu m'as connu il y a 20 ans? J'étais beau il y a 20 ans. Tu m'as connu. Eh ben, je réussis, t'as vu? Tu m'as connu au 113? T'as vu, je fais du chemin. Il y a 20 ans au 113, 20 ans après l'opéra. Ça, ça fait du chemin, je te le dis. Putain. Oh là 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 là. Pousse-toi de là, toi. Ça va pour quoi? Allez. Et il est pas clair, ce mec, hein? Il est clair, ça, pour lui. Ça va, ma pupuse? Tu vas bien? Impeccable. Ça va, les jeunes? Oh, qu'est-ce que t'as fait, toi? Tu fais le coup de boule?
ouvert l'arcade au rugby. Ping-pong. Bon, allez, je continue parce que je vais m'engueuler. Hein. Bon, attention, Serge, je me goûte encore, quoi. Serge, tu me dis, hein. Bon, attention, je passe. Hein. Écoutez, je passe 3-0. Il faut qu'il y a peur. N'ayez pas peur, madame. Oh, une jolie blonde, hein. Une fausse blonde, mais une jolie blonde, hein. Ne me dis pas non, t'as les sourcils, on dirait Georges Clooney. Ne me dis pas non, hein. Je rigole, ça va, je rigole. Oh, vous êtes toutes seules aussi. C'est des cons, les mecs, hein. Je sais de quoi je parle, je suis bien placé, parce que moi-même, j'ai un frère. Hein. Ah, c'est vraiment, putain. Oh, les jeunes, oh, il y a des filles toutes seules, là. Putain, moi, à votre âge, déjà, je serais assis à côté de toi, je t'aurais parlé du truc, je t'aurais mitonné plein de choses. Oh, toi, t'es comme moi, c'est chikungunya, toi. Ah ouais, putain. Chikungunya, il attaque. Oh, putain, toi aussi, chikungunya. Les gars, ils sortent de table, chikungunya. Bon. Bon, allez, je retourne parce que... Ça va, mon petit Célo? Alors, sous les intermittents, c'est le mot derrière. Et c'est pas gentil, moi, ça m'a fait de la peine pour vous, mon petit Célo. Tenez, mon petit Célo. Moi, c'est la...